Okay. C'est l'ouverture officielle du septième ciel. Mais le septième ciel, il y a deux septièmes ciels. Hein? Il y a monter au septième ciel et il y a vivre le septième ciel. Je vais commencer par vous parler de monter au septième ciel. Pour vous expliquer un peu la différence, j'aimerais ça vous montrer quand même le petit tableau pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai monté au septième ciel et vivre le septième ciel. Dans monter au septième ciel, hein, c'est un peu comme un iceberg. Dans le premier, monter au septième ciel, on aborde d'abord beaucoup plus les connaissances, l'expérience. On expérimente les 10 sens d'une façon absolument exceptionnelle pour revenir, se reconnecter vraiment à soi, faire plein de prises de conscience intéressantes, mais vraiment, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau pour soi. Et vivre le septième ciel, pour arriver à vivre le septième ciel, ben, c'est d'être bien, c'est d'être mieux dans sa peau. Et on n'a pas bien le choix d'aller creuser en dessous, dans tout cet espace où qu'on sait que c'est présent, qu'on a plus ou moins conscience, c'est que ça nous tente plus ou moins d'y aller aussi, parce que c'est plus désagréable. Fait qu'on va visiter les blessures, on va visiter notre fonctionnement. C'est important de comprendre le fonctionnement, les mécanismes et tout ça. Fait que ça fait la différence entre les deux, entre monter et vivre le septième ciel. Mais là... Monter au septième ciel? Ouais, fait que vivre... C'est quoi monter au septième ciel? Moi, si je te posais la question à toi... Moi, quand je fais la construction, on prend une échelle. Vas-y, toi, c'est différent. Je m'en doutais que tu me sortirais de niaiser. Ben, c'est moi. C'est ma nature. On ne peut pas la changer. Allez. C'est ta nature d'être niaisé. C'est ça que tu es en train pas des niaiseries. OK, pas des niaiseries. Ça, c'est pas pareil. OK, excusez. Un peu de sérieux. Je vais te laisser la chance de pouvoir expliquer mieux. Là. C'est monter, quoi monter au septième ciel? Monter. Pour moi, monter au septième ciel, c'était... Alors, ça, c'est un cadeau, en fait, que j'avais envie de m'offrir, que j'avais envie de vous offrir, parce que c'est tellement une expérience époustouflante, extraordinaire, que de pouvoir vivre à fond nos 10 sens. Hein? Les 5 sens physiques et les 5 sens psychiques, on a plus ou moins conscience et on est tellement pris dans la vitesse, hein, dans le quotidien, dans plein d'affaires aujourd'hui, que on facilement se déconnecte de qui on est. Et de faire l'expérimentation, de changer l'expérience de nos sens et d'en prendre conscience de plus en plus par divers exercices qui sont toujours extrêmement savoureux à faire, ben, je pense que ça vaut le détour. En tout cas, je te réservais une surprise. J'y avais dit, il m'a dit oui. Hein. C'est qu'en même temps qu'on part le septième ciel, ouais, en même temps que vous autres, on va le faire, nous autres aussi. On va recommencer ce processus-là. Tu te souviens quand on a fait le voyage au septième ciel? Le voyage, oui. On l'a fait aussi avec les participants. Le voyage au septième ciel, oui. Le bandeau sur les yeux, quelque chose comme ça. On l'avait vraiment fait. Et puis, ça a donné des... En fait, on ne vous parle pas des trois programmes, parce qu'il y a trois programmes. Il y a voyage au septième ciel qui se fait en 7 jours, il y a montée au septième ciel qui se fait en 7 semaines, et il y a vivre le septième ciel qui est en 7 mois. Fait que 7, 7, 7. Hein? Fait qu'il y a trois programmes. Ça s'appelle tout monter. C'est tout au septième ciel. Ça s'appelle pas monter, mais c'est tout au septième ciel. C'est tout au septième ciel, excusez-moi. Ça a tout chacun, hein? C'est pour nous emmener, hein? Pour nous emmener plus haut. Moi, monter au septième ciel, c'est vraiment... Point de vue sexualité, point de vue des sens, point de vue du corps, c'est d'aller toucher à notre summum, à ce que le corps peut nous offrir de plus haut, de plus grand, de plus fantastique, de plus extraordinaire. Et ça ne peut pas faire autrement que de passer par les sens. Non. Parce qu'on est des êtres de sens, on est des êtres de plaisir. Et on est à la recherche du plaisir tout le temps, constamment, hein, dans nos vies. Et... De faire cette expérience-là, en tout cas, ça vaut la peine. Je vous le souhaite de vivre ça au moins une fois dans votre vie, ce genre d'expérience-là. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de savoureux. Nous autres, on va vivre ça. C'est divin. C'est pas pour rien que c'est au septième ciel. C'est ça. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Ouais. Fait que c'est ça. Quoi dire de plus? Je sais pas si tu avais des questions. Si, je voulais savoir si pourrais-tu suivre le monter pour accéder à vivre ou si tu peux vivre avant de monter. Vivre en monter avant de vivre. Je pense qu'on va. Y a-t-il un prérequis pour suivre monter le ciel? C'est toujours une question d'interprétation. Une question d'interprétation. Tu montes ou tu descends? Ok, arrêtez de niaiser. Ben, en fait, non, on n'est pas obligé d'avoir fait l'un
ou l'autre, il n'y a pas de prérequis, ça dépend de ce que j'ai le goût de vivre. Moi, okay. J'aime ça avoir le choix. Et c'est-tu pour l'homme ou pour la femme, ou c'est pas automatiquement le couple? Parce que le premier qui était, c'était le couple. Avoir fait le voyage, là, c'est au ça, début, c'est, ouais, le c'est vrai. Je l'ai pensé pour le couple au début, et puis j'ai tellement, mais tellement, tellement de célibataires qui viennent, « Oh, tu devrais faire quelque chose, vraiment! » Fait que finalement, j'ai tout retransformé, j'ai tout repensé tout ça, et je l'ai adapté, vu que de toute façon, c'est une question d'individu, c'est une question de par rapport à soi-même, avant de l'emmener dans l'expérience de couple. Fait que je dis, ben OK, on va l'adapter, on va le faire. Fait que finalement, la majorité des exercices se font individuels et on vient compléter ça en relation par après. Fait que ça nous donne l'occasion de pouvoir travailler la complicité, oui, de pouvoir aller chercher notre complice. Tout le monde recherche. Hein, et de dire, qu'est-ce que tu en penses, mon chéri, si ce soir on essayait ça, ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne tout le temps. Bon. Hein? OK. Fait que oui, c'est autant pour homme que pour femme, ça répond aux besoins de l'être. Donc, autant pour homme que pour femme. En couple, ben tant mieux pour vous si vous êtes en couple, parce que c'est une expérience qui est quand même fantastique, mais il faut le penser en expérience pour soi, exactement. Et l'expérience en couple, c'est aussi l'expérience pour soi, parce que c'est de découvrir, OK, quand je le vis face à moi, OK, qui je suis, où je vais, comment je suis, comment je vis ça, et quand je m'en viens en relation, est-ce que je me transforme? Est-ce que je sors, je n'existe plus? Est-ce que c'est le plaisir de l'autre qui prend tout l'espace? Qu'est-ce que... Ça, c'est vraiment intéressant à observer, c'est de voir comment je me transforme quand que je rentre en relation. Et c'est ça, c'est pour ça que c'est important de commencer individuel. Donc, si vous n'êtes pas encore en couple, éventuellement, vous avez toujours accès à la formation de toute façon, fait qu'il y a toujours temps de l'amener en couple. C'est ça. Ou d'avoir un copain, un ami. Hein? Quand on est célibataire, en général, on a des petits amis. Fait qu'il est possible de vivre l'expérience comme ça. De toute façon, c'est toujours par rapport à soi. Fait que c'est très intéressant de vivre ça comme ça. Fait que pour monter le septième ciel, c'est une question de... Non, c'est pas un prérequis. Encore là, dans le prérequis, dans le sens que c'est le choix, parce que j'aime ça au choix. Hein? Tu le sais, moi, j'aime ça choisir, j'aime ça pouvoir décider. Et si ça me tente pas, moi, je considère là, que j'ai assez joué dans mes blessures, mon fonctionnement, puis tout ça. Là, c'est pas là que je vais aller voir. Là. Je veux vraiment vivre l'expérience à travers mon corps. Je veux vraiment vivre ces expériences sensorielles-là, même sexuelles-là. Je veux éveiller mes sens, je veux éveiller mon corps. C'est ça que j'ai envie de vivre. Et je veux voir comment moi, j'agis, je réagis là-dedans. Ben, c'est monter au septième ciel. Si je dis, non, moi, ce que j'ai besoin, parce que c'est trop souffrant pour moi présentement, je ne peux pas vivre ma sexualité comme j'aimerais pouvoir la vivre. J'ai besoin d'abord de régler certaines choses parce que je t'en veux pour certaines choses. J'arrive pas à rentrer en contact avec toi, j'arrive pas à rentrer en relation. Donc, il faut que j'aille nettoyer certaines affaires. J'aurais pas le choix. La clé, c'est ça. La clé, c'est d'aller vivre le septième ciel. C'est là où on va rentrer dans l'autre programme. Là, dans vivre le septième ciel, il y a plusieurs intervenants. Ça, c'est une autre histoire, oui. Parce que c'est sûr que monter au septième ciel, vu qu'on va jouer dans les sens, la formation, elle est simple, elle est facile à faire, elle est hyper agréable. On est dans le plaisir mur à mur, OK? Fait qu'on va... des petites vidéos tout petites de 1, 2, 3 minutes, là, c'est vraiment pas long, qui vous explique comment faire l'exercice, dans quel état d'esprit, quelle est la notion du ciel, hein, parce qu'il y a 7 ciels, fait qu'on y va un ciel à la fois, puis on traverse les étapes des ciels un à la fois. Et ça, ça nous amène vers toujours un peu plus d'ouverture, un peu plus de conscience, un peu plus de perception. Fait qu'on a un thème par ciel. Plusieurs exercices à faire, plus vous allez vous impliquer, plus vous allez avoir du fun. De toute façon, c'est que du plaisir, là, mur à mur. Fait que l'implication, point de vue temps, vidéo, on parle de 2-3 minutes. Hein? Mm-hmm. C'est par vidéo, puis il y en a peut-être 3, 4, 5, dépendamment des ciels. Et point de vue temps d'exécution, mais là, ça dépend de vous. Hein? Si vous voulez vous amuser en mars, puis vous voulez faire ça 30 heures semaine, ben amusez-vous, là, 30 heures semaine, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de limite. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de problème, on peut s'amuser autant qu'on veut. Il y a une heure, par contre, que
te rencontre. Quand vous allez conclure ce thème-là, vous allez conclure le ciel, vous prenez une rencontre d'une heure avec moi pour qu'on en discute et qu'on fasse le point, qu'on voit tout ce que c'est venu brasser et ensuite on va passer à l'étape suivante. Ça facilite. Ça facilite l'intégration. La poursuite, l'intégration. C'est ça, c'est l'intégration. Ça. Comprendre ce qu'on vit finalement. Mm-hmm. On passe par ça. OK. Le premier ciel, on est dans la perception. Hein? Ce qu'on perçoit de l'extérieur et ce que je perçois de moi-même. Ça, on va venir travailler ça toute la semaine, tout ce qui est l'aspect perception qui m'entoure et perception de ce que je suis, donc l'acceptation de son corps. Donc, on va jouer là-dedans, on va patauger dans tout ça. Et on conclut la semaine suivante, ou en tout cas le ciel suivant, on est dans la réceptivité. Fait qu'une fois que j'ai perçu tout ce qui se passe, comment je reçois ça maintenant? Et comment je peux m'ouvrir à recevoir? Fait qu'on va travailler énormément la réceptivité avec plusieurs exercices qui sont bien le fun à faire. On va faire ça nous autres aussi, là. Oui. Et le troisième ciel, on est dans l'éveil. On va travailler l'éveil, on va travailler le respect. Le respect du rythme, des limites, du corps, des limites, mais le respect vraiment de son rythme, de notre rythme à nous, des limites, le respect et la conscience. On va mettre l'emphase sur ça. Ensuite, on est dans tout ce qui est notre côté féminin. On va développer, on va vérifier, on va voir vraiment tout l'ensemble de l'aspect. On va développer ça, le côté féminin pendant cette étape-là. La semaine suivante, ça va être le masculin, fait que notre côté masculin. On va autant l'homme que la femme. Ça n'a aucune importance. On porte chacun le féminin et le masculin en soi. Fait c'est qu'on ça. Va venir explorer comment ça se traduit chez nous et on va venir vraiment travailler ça. D'accord. Dans le sixième ciel, on est dans l'exploration des 10 sens. Fait qu'on va aller voir, explorer comment est-ce que depuis le début, on a fait appel à nos sens, comment est-ce que tout ça s'est venu faire interaction, et on va mettre l'emphase sur ça. Et finalement, ben, on est rendu au septième ciel. Fait que ça, là, c'est la conclusion. Et il y a une surprise là, naturellement, que vous allez voir. Fait que c'est, dans le fond, c'est vraiment de vivre en communion cœur-corps-esprit. Là. C'est ce qu'on veut vivre comme expérience. On est rendu à vivre ça. Après avoir vécu tous ces ciels-là en cascade, vous allez voir que c'est wow! C'est vraiment c'est quelque chose. Ouais, ben c'est le plaisir mur à mur. Hein. C'est vraiment le fun. Ça. C'est vraiment très intéressant. Fait que ça, c'est ce qui clore monter au septième ciel. Mm-hmm. Mm-hmm. Et on peut enchaîner avec Vivre le septième oui, ciel. On peut enchaîner tout de suite, pas de tout. Fait que dans Vivre le septième ciel, c'est la quatrième cohorte pour Vivre le septième ciel et c'est la première cohorte pour monter au septième ciel. Ça, c'est du jamais, jamais, jamais vu. J'insiste, hein? Jamais vu! On parle des formations sur la sexualité. Jamais vu, attendez. Jamais vu. Tu l'as pas vu? Jamais vu. T'es pas jamais vu. C'est ça. Mais Vivre le septième ciel, c'est notre quatrième cohorte. Donc, c'est la quatrième fois qu'on recommence l'expérience. Ça a été lancé au départ pour les couples. Ouais. Mmh. L'idée est excellente. L'idée est très bonne. Ce qu'on se rend compte, par exemple, dans l'expérience, en vivant, c'est que, vu que j'avais lancé beaucoup la promotion, la publicité misée sur le couple, les attentes du couple étaient... C'est assez cocasse parce que c'est pas mal ce qui a été général comme réaction. Ça a été, OK, on y va toutes les deux, bébé, hein? On y va. Et, fait que tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui marche pas chez toi. Puis lui, ben tu vas pouvoir voir ce qui marche pas chez toi. T'sais? Fait que les deux avaient un projet sur l'autre. Puis finalement, ben il faut comprendre que pour avancer, c'est sur soi. C'est une question d'individu. Fait que oui, tout le monde avait cette conscience-là, mais sur l'autre. Fait que ça a été un ajustement graduel. On y est arrivé, mais ça a pris plus de temps. Et finalement, ben ça finit par faire vivre le septième ciel, la partie de l'iceberg en bas, comme j'expliquais au départ, parce que on a eu à visiter les blessures, les fonctionnements et tout ça, parce qu'il y avait énormément de conflits qu'on a soulevés dans plusieurs situations. Et il y avait des choses à régler avant vraiment aller jouer avec la sexualité qui vient que... Tu sais, parce que la sexualité, c'est pas juste « OK, bébé, on s'en va jouer puis on va se faire du fun, là. » Mm-hmm. C'est plus que ça. Ça traduit tout mon état d'être, ça traduit ce que je porte, ça traduit tout mon vécu.
aussi avec toi, c'est, tu sais, si je porte de quoi puis que j'ai une animosité ou ma journée a mal été, tu m'accueilles mal, c'est, ou inversement, la même chose, tu sais, moi je t'accueille mal, fait que t'es pas là, je suis pas là pour toi, ou, fait que la sexualité s'en traduit aussi également, c'est pas rien qu'une partie de fesse, là, on s'entend, là, tu sais, fait que c'est ça, dans le fond, vivre le septième ciel, fait que c'est de reprendre sa responsabilité, c'est de revenir à soi, mais comprendre son fonctionnement, aller voir, visiter ses blessures, reprendre sa responsabilité et se ramener en relation avec l'autre. Et pour ça, bien, chacun doit le faire pour soi. Puis ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'il suffit d'un des deux pour que la magie opère. Ouais. Fait que même si l'autre a le projet sur l'autre, puis que l'autre a le projet sur l'autre, du moment qu'il y en a un des deux qui revire la caméra de bord, là, puis qui regarde chez soi et qui fait ce cheminement-là, ben, ça va amener l'autre à faire de même. T'sais, ça vient briser le pattern. Puis ça, c'est fantastique. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'on a inclus dans la formation plusieurs professionnels. Oui. Je les adore. Franchement, là, je les adore. Il y en a qui sont là depuis le début. Ça fait un an qu'ils nous suivent dans cette aventure-là. Des gens qui s'impliquent énormément, des gens de cœur extraordinaires. Je vais vous les présenter cette semaine. Demain, on commence avec eux de Xi Adopo. Le lendemain, on va parler avec Ariane Laberge. Le surlendemain, on parle avec Robert Savoie, notre Bobby international. Ensuite, le lendemain, je pense que c'est Ghislain Lévesque. Et on va clore ça avec Jocelyne Véro, qui remplace Annie Deschaines, qui est partie au Costa Rica en patsac. Fait que voilà, ça va être notre brochette pour la prochaine cohorte de professionnels. Vous avez une présence professionnelle de cette brochette-là, au moins un, deux, trois professionnels par semaine. Moi également, je suis présente, constant. Même si le programme en vidéo est monté sur 7 semaines, vous pouvez le faire dans le temps que vous voulez, mais ça s'étire sur 7 mois. Et dans le 7 mois, vous allez revoir les professionnels 3 fois 7 semaines. Fait que 21 semaines. Vous avez 21 semaines d'accompagnement. C'est pour ça qu'on appelle ça de la pédagothérapie, c'est qu'il y a la portion éducative et il y a toute la portion suivie sur Zoom avec les professionnels et avec moi. Ça, c'est de l'or en barre. Ça vaut vraiment la peine. Fait que, un, ça prend la conscience, la connaissance et après ça, la mise en application et l'intégration, ça va être votre implication auprès des professionnels parce que c'est là que ça s'applique dans votre quotidien aujourd'hui. Fait que si vous voulez vraiment aller mieux, vous voulez faire une thérapie, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, ça n'a aucune importance, c'est un individu, ben, c'est la thérapie du siècle, là, parce que vous avez accès à plusieurs types de professionnels différents qui vont vous aider dans des axes différents et qui sont là pour vous, là. Vraiment fantastique l'implication que les professionnels ont. Tu le sais, toi aussi, tu as été là, tu as participé. Oui, j'ai participé beaucoup à la dernière cohorte. Puis tu dirais quoi, toi, de ton expérience dans ça? Moi, mon expérience est très appréciée. Ça a fait ouvrir les yeux, ça a fait mettre un petit peu... Calmez-toi un petit peu, monsieur, là. Tu vas trop faire tout le temps quelque chose, hein? faut que tu grouilles, là. Pense un peu à souhaiter un peu là-dedans, ce que je faisais pas. Ça a changé pas mal ta vie. Ça a changé plusieurs affaires. C'est vrai, depuis un an qu'on a parti le programme, parce que même si le programme est en ligne, les professionnels, nous, on embarque dans le jeu. Hein? On vous suit, on suit ça par après. Et les impacts que ça a chez nous, moi, en tout cas, c'est phénoménal comme changement. La Chantal de v'là un an, la Chantal d'aujourd'hui, puis je te regarde aller aussi. Non, c'est ça, c'est le jour et la nuit, là. C'est pas sortir de là. Non, c'est une chose qui est très, très, très enrichissante. Puis... Oui, c'est bien apprécié. En tout cas, j'ai super hâte de travailler avec vous autres. Je suis toute énervée, je suis vraiment excitée. C'est dans quoi? C'est dans une semaine. Dans une semaine, à peu près. Les portes vont fermer le 26 à minuit. Fait que dépêchez-vous, c'est le temps. Si vous avez des questions, c'est le temps. Si vous ne savez pas, ça va être monté au 7e ciel ou vivre le 7e ciel, qu'est-ce qui me correspondrait le mieux et tout ça. Un appel. Prenez un appel avec moi. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo.
et on va en discuter, ou en tout cas, je prendrai 45 minutes à 50 minutes, une heure avec vous pour qu'on discute de votre situation. Au pire, vous aurez eu une heure de coaching avec moi, conversation. Ça se peut que ça ne corresponde pas. Mais si ça correspond, puis si tu es prête à t'investir vraiment dans une relation qui va t'amener ailleurs, ben moi, ça va me faire plaisir de travailler avec vous autres. Fait que voilà, c'est ça. Fait que pour moi, ben vous êtes mes amis. Et on vit ça ensemble, toute cette belle expérience-là. C'est ça. Puis c'est le fun. J'aime ça. Fait que moi, c'est ça. Toi, c'est à moi que tu aies d'autres choses à rajouter? Moi, ça va être bon, c'est correct pour elle.